Et les monards. Allez, ravi de vous savoir toujours aussi nombreux sur Cameroun Vision, mesdames et messieurs, à la tribune référentielle du tourisme et du voyage qui, pour cette énième édition, fera le voyage de la partie ouest du pays et précisément du département de la Mifi. Nous sommes ce jour dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. Nous sommes à Bamungoum. Bamungoum, village donc très très cher à quelques autorités politiques, administratives et bien sûr économiques de ce pays. Suivez mon regard. Bamungoum, village très très stratégique dans le département de la Mifi, établi, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. De ce côté-là, comme un petit peu partout dans le département de la Mifi et même dans la région de l'Ouest tout court, hein, en pays Grassfield, il y a un rituel d'initiation où nous passons de l'âge de l'enfance, j'ai envie de dire, à l'adolescence, et parfois de l'adolescence à l'âge adulte. Toute une université pour préparer quelques semaines durant la jeunesse à un avenir meilleur. Comment est-ce qu'ils doivent être des adultes utiles pour leur société? Les rudiments sont donc passés au travers de cette initiation-là, qui du côté de Bamungoum s'appelle Nekan, du côté de Bafoussam ça s'appelle Nekin, du côté de Batoufam ça s'appelle Kak. Nous allons donc consacrer cette édition à la 311e édition du festival Nekan Pumungoum, village qui profite de ce rituel d'initiation pour exposer son potentiel culturel, cultuel et patrimonial. Pour cette première édition consacrée donc à Bamungoum et à cette 311e édition, nous nous consacrerons uniquement aux préparatifs qui ont mené à la réalisation ou alors à l'effectivité de cette 311e édition qui a pris corps depuis la date du 3 mai dernier. Les préparatifs donc de cette 311e édition du festival Nekan Pumungoum, c'est dans cette édition de Cameroun Vision, c'est tout de suite et maintenant. Direction donc Bamungoum avec pour guide principal rien de moins que son souverain roi. C'est tout de suite et maintenant. Let's go. Les festivals en pays bamiléké en général ont pour objectif de créer premièrement une dynamique au sein du peuple des montagnes du Cameroun, de mettre ensuite sur pied un plan de développement des régions Grassfield, soutenu par le milieu d'affaires bamiléké, la diaspora et les hommes politiques. Puis de redynamiser les valeurs culturelles et ses peuples Grassfield. D'établir ensuite un plan de soutien à la jeunesse de l'Ouest et enfin, de créer ou d'établir ou même de redynamiser un lobby fort, efficace et organisé des peuples bamiléké. Bamungoum n'en fait pas exception. Son festival Nekan, rencontre biennale, en est la parfaite illustration. Il en est cette année 2023 à sa 311e édition, excusez du peu. Preuve de l'existence bien ancienne de ce beau village et de sa chaufferie. Bon, déjà, je dirais que le village Bamungoum est une entité qui existe depuis 1403. Depuis que le tout premier roi fondateur, appelé le roi Fondonveu, a mis sur pied le royaume Bamungoum en 1403, ce royaume existe donc aujourd'hui, ça fait 620 ans que le royaume Bamungoum existe. Et fort de cela, il faut reconnaître que Bamungoum se trouve dans l'arrondissement de Bafoussam 3e, couvre l'entièreté de l'arrondissement de Bafoussam 3e dans le département de la Mifi, de la région de l'Ouest Cameroun. Et autre précision, Bamungoum a une superficie de 93 km² avec une population de 120 000 âmes à ce jour. 120 000 âmes, tout animées d'un dynamisme avéré. La splendeur de sa chaufferie le démontrant à souhait. Oui.
une chefferie qui aura connu plusieurs guides, les uns aussi souverains que les autres, pour des mandats qui naturellement n'ont pas toujours eu les mêmes appréciations, suivant l'histoire. Disons qu'il est assez fastidieux de parler d'une dynastie royale qui remonte à plus de 6 siècles, le moins que l'on puisse dire dans l'espace de temps qui nous est consacré, c'est que dans les années 1403, un jeune chasseur du nom de Nzongwe arrive sur le site actuel qui porte le nom de Bamboum et trouve sur place une population qui y résidait déjà dans la localité de Nembe. Et ce roi chasseur réussit par la ruse à arracher symboliquement le pouvoir au roi de Nembe qui décide de se terrer sous un rocher avec une bonne partie de sa population, à l'exception de Tende Nzonefe, qui est l'un des rescapés, avec Mba Tenzongan, qui sont en cette période du temps l'un des piliers, c'est-à-dire que ceux-là même qui donnent le ton de chaque festival du festival culturel Nkan Komondo. À la suite de ce roi Nzongwe, lorsqu'il fait sa mue, c'est son fils Ngutso qui prend le trône. Et après Ngutso, c'est Nongouve qui vient au trône. À la suite de Nongouve, c'est le roi Ngangno qui monte au trône. Par la suite, ce sera le roi Mbongé. À sa suite, le roi Tayongue. Après le roi Tayongue, ce fut le roi Fengang. Bien après, c'était le roi Tingting qui monte au trône. Après, le roi Ndongpie, sous le règne duquel il se produit une réforme assez fondamentale dans l'histoire de Bamboum, parce que c'est sous son règne que le premier Moula Trumbu revêt ses attributs, parce que bien avant lui, sous le règne des autres rois, c'était le Dendengang qui faisait office du plus grand serviteur dans la lignée des Pemengut. Après, il y a eu le roi Ngakam qui a également régné. Après le roi Ngakam, il y a eu le roi Kouché qui a régné. Et un autre fait important sous le règne du roi Kouché, c'est qu'à un moment donné, c'est d'abord son frère jumeau qui est le fondateur de la lignée de Nzondomafretonk à Kamko, qui décide de se retirer du trône et laisse donc la couronne royale à son frère jumeau. Et c'est pour cette raison que dans l'histoire, on lui a donné le sobriquet ou alors le titre de Nzondomafretonk, c'est-à-dire que celui-là même qui était roi a laissé sa place à son frère jumeau. Par après, il y a eu le roi Tankamte. Après le roi Tankamte, il y a eu le roi Tinku Mandatin, le géniteur du roi Nkankou Timenia, qui a également marqué l'histoire de Bamboum pour deux raisons au moins. La première raison, c'est qu'il a l'un des règnes les plus longs, parce qu'il a fait plus de 50 années de règne, le roi Nkankou Timenia. Et l'autre fait marquant du règne du même roi Nkankou Timenia, c'est que c'est sous son règne que le premier colon arrive, foule le sol de Bamboum. C'était un capitaine d'origine, un capitaine allemand qui portait le nom de Roche. Lorsqu'il arrive, le roi Nkankou Timenia essaye donc d'observer ses techniques d'attaque. Et puis, par la ruse, il estime qu'il vaut mieux coopérer avec lui au lieu de l'attaquer de front. Et c'est ce conseil qu'il donne à quelques-uns de ses homologues qui, puisqu'ils l'ont expérimenté, en l'occurrence le roi Fotso Mesundum, qui était au trône de Banjoun. Et lorsque le roi de Banjoun expérimente le conseil donné par son homologue Bamboum, il se rend compte que ce conseil valait tout son pesant d'or. Et en récompense, il donne une princesse au roi de Bamboum qui porte le nom de Mowa, laquelle Mowa a donné avec le roi Naoussi, trois princes, en l'occurrence Tatinku Mowa, Kankro Mowa et Singengowa qui est devenue la reine Mafotinye. Lorsque le roi Kankro Timenye fait sa mue, c'est d'abord son fils David Tatinku qui prend le règne du trône. Malheureusement, juste 5 années après, il rend l'âme et c'est son frère Naoussi Jacob qui monte au trône. Et là, le roi Naoussi a également une histoire particulière.
D'abord, c'est lui qui transporte le palais royal de la zone de l'ancien marché, comme on l'a coutume d'appeler, le siège de l'arrondissement, pour venir l'implanter ici, même au palais royal où nous nous trouvons, dans les années 1903. 1933, autant pour moi. Donc ça, c'est déjà un événement important qui permet de marquer le règne du roi Naoussi. Autre fait marquant de ce roi Naoussi, c'est que par ses prouesses personnelles, par la sagesse dont il faisait montre au milieu de ses pairs de l'Ouest, il est désigné comme un vieux sage et l'administration coloniale avait pris dans la résolution de retenir sa photo comme celle qui devait figurer sur un billet de 100 francs avec au verso le gouverneur Eboué. Et le roi Naoussi ainsi a marqué donc son règne. Il a porté son règne au firmament des frontières, son règne est allé au-delà des frontières camerounaises pour avoir un impact véritable sur l'ensemble de l'Afrique équatoriale française, parce que ce billet de 100 francs avait pour légal sur l'ensemble de l'Afrique équatoriale française. Lorsque le roi Naoussi est rappelé à Dieu le mardi 27 septembre 1957, c'est son fils François Nkankre qui monte au trône et il règne jusqu'à ce fameux 25 avril 1981 où il est brutalement rappelé à Dieu. Et le roi Jacques Fotsokanke, qui est l'un des premiers rois modernes de Bamangoum, premier roi moderne parce que c'est le premier roi à monter au trône ayant une connaissance certaine de la langue française, étant à même de lire et d'écrire. Et il a marqué son règne et on a retenu de lui qu'il était le roi soleil de Bamangoum. Après son départ, rappelé à Dieu, le 26 juillet 2017, après exactement 36 années de règne, le roi actuel, Sa Majesté Mitterrand Mombefotso, est monté au trône. Et depuis, il s'investit et s'illustre comme le roi qui est en charge, voilà, le roi porteur du développement, j'allais dire le roi du développement de Bamangoum, parce que ces nombreuses actions qu'il pose vont justement dans le sens du développement de Bamangoum. Voilà, il l'a dit, Sa Majesté Moumbé. 2023 sera une saison culturelle bien différente, sortant des sentiers battus de ses prédécesseurs. C'est de manière obligatoire pour doter le village d'infrastructures pérennes. Plusieurs projets ont été rattachés à cette édition pour pouvoir permettre au Nekang, qu'à travers le Nekang, que la population, que le village se développe davantage, que le village soit plus développé, plus apprécié, plus visible sur le plan national et international. Ces activités sont nombreuses, à savoir, il y a par exemple l'inauguration du centre de santé de l'Ati Bamangoum qui aura lieu le vendredi 12 mai. Il y a la pose de la première pierre du musée des Calebasses le samedi 13 mai. Il y a la pose de la première pierre du centre des services agricoles le même jour, samedi 13 mai. Et également la pose de la première pierre du foyer du comité de développement de Bamangoum. Toujours au courant de la période du 3 mai au 13 mai, cette période de 10 jours qui est une période intense prévue pour les activités du festival Nekang Bamangoum édition 2023. Et c'est pour traduire en fait concret cette vision portée vers le développement que, à l'occasion de l'organisation de cette 311e édition du festival culturel Nekang Bamangoum, il a pris sur lui de prescrire au comité national d'organisation comme thème central celui de patrimoine culturel et développement. Concrètement, Sa Majesté voudrait que chaque fois qu'il y a un événement culturel, qu'au sortir du dit événement, il y ait des marques indélébiles du développement, hein, que le développement puisse être marqué de manière durable. Et c'est pour cette raison que, à l'occasion de la présente édition du Festival culturel Nekang Bamangoum, il y a des projets d'envergure qui entrent en droite ligne de cette vision de développement que Sa Majesté forme pour son peuple, notamment ce musée de Calebasses. Tout à côté, vous avez vu l'espace de 2000 m² qui a fait l'objet d'un terrassement
pour attendre la pose de la première pierre prévue le samedi 13 mai 2023. Et cette pose de première pierre sera faite par les bons soins de M. le ministre des Arts et la Culture, qui est le parrain institutionnel de cette 311e édition du Festival culturel Nkamp Mungum. Ce musée de Calebasse, c'est un joyau architectural qui est appelé à sortir de terre et aura une emprise de pratiquement 1000 mètres carrés pour ce qui est des bâtisses. Et à côté, il y aura un espace de divertissement. Et dans cet espace de divertissement, tout un jardin consacré à la culture des calebasses. La calebasse étant un outil fort de symbole, parce que la calebasse est d'abord ce récipient qui permet de puiser de l'eau, l'eau étant la vie. Cette même calebasse, lorsqu'elle change de nom, devient cet instrument qui permet aux notables de transporter le vin raffia dignement vigné pour aller et partager entre eux dans le cadre des sociétés secrètes. Cette même calebasse, lorsqu'elle change de nom, sera également cet instrument qui permet d'assurer la purge des jeunes enfants. Cette même calebasse changeant de nom devient l'instrument que l'on utilise lors des grandes parades, à l'instar du festival culturel Nkamp Mungum. Pour cette raison que la calebasse a été retenue comme étant l'outil fondamental qui devra permettre de désigner le musée qu'abrite Bamungum. Et ce musée-là sortira de terre sous la forme justement d'une calebasse. Et pour ceux qui, comme nous, ont déjà visité ce premier musée de la calebasse, c'est à se demander si Bamungum en aura deux. Sa Majesté lève l'équivoque. Bon, par rapport à votre préoccupation, il faudrait savoir que c'est le même musée, appelé musée des calebasses, la chefferie supérieure Bamungum, qui va être déporté vers le nouveau site. Tout simplement parce que les raisons fondamentales sont celles selon lesquelles le musée actuel se trouve dans la chefferie. Or, il est question que le musée des calebasses se trouve à l'entrée de la chefferie. Que le musée ne se trouve pas dans la chefferie, mais que le musée se trouve à l'entrée de la chefferie, de manière à ce que tout touriste arrivant à la chefferie supérieure Bamungum puisse visiter le musée sans être dans la chefferie. Voilà l'objectif, voilà les motifs qui ont conduit le roi de Bamungum à vouloir déporter le musée des calebasses de la chefferie à l'entrée de la chefferie. Ce que je peux vous dire, c'est que la 311e édition est une édition spéciale, puisque cette édition cadre avec le développement du groupement du village Bamungum. Une 311e édition qui promet donc de faire bien mieux qu'avant. Au travers de son contenu, concocté par Sa Majesté en personne, il nous en parle. Bon, déjà, il faut reconnaître que selon l'article 63 du décret de 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles, Bamungum est une chefferie traditionnelle de premier degré. Et fort de cela, sur le plan légal, selon certaines dispositions de la loi, il y a un président des groupes de danse qui a été nommé par le roi de Bamungum et qui s'occupe de tous les groupes de danse qui cadrent avec l'animation, avec la mobilisation sur le plan culturel, c'est-à-dire le groupe de Pemundjong, Myungo, Kenya, tout ça. Ces groupes sont là pour assurer la pérennisation, la pérennité des valeurs culturelles sur le plan artistique, sur le plan de la musique traditionnelle. Voilà. Et s'il faut énumérer, ces groupes sont vraiment nombreux, au point où on ne peut pas tout énumérer. Je vous ai juste donné quelques noms de quelques groupes, mais il y en a plusieurs. Et le Nkamp, la 311e édition du festival Nkamp Mungum, qui a commencé depuis le 19 mars 2023
et dont l'apothéose aura lieu le samedi 13 mai prochain, est en train de connaître des activités en son sein menées par des présidents des commissions. Chaque commission est en train de se battre pour que leurs activités puissent bien se mener afin que le NECAN édition 2023 puisse gagner le pari par rapport aux autres éditions, par rapport aux 310 éditions déjà passées. Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Mais déjà, s'il y a encore quelque chose à ajouter, c'est savoir que le NECAN, fondamentalement parlant, veut dire la magie. Voilà. Ça veut dire que le tout roi fondateur avait mis son socle sur la magie, sur les possibilités de pouvoir se surpasser pour pouvoir gérer son royaume. Voilà. Et cette façon de faire, ce rituel se passe généralement depuis le 19 mars 2023 à travers chaque jour appelé Fesap, à travers l'initiation des jeunes Bamouroum, et qui participeront à la phase appelée Fornekan pendant la cérémonie du 13 mai, étant donné que ceux qui sont déjà majeurs, à savoir la catégorie des notables, des jeunes déjà adultes, feront partie plutôt de la catégorie des mannequins. Voilà, lors de cette cérémonie. C'est très bien noté, Sa Majesté. Plus tout le monde y être, Cameroun Vision will be there. Sur le plan organisationnel, le NECAN Pemongoum connaît pour cette 311e édition. Multiples innovations, le plus spectaculaire étant le comité d'organisation. Ce que je puis dire relativement à l'organisation, c'est que dans nos us et coutumes, on dit couramment que pour faire une barrière ou alors faire une clôture, on y injecte nécessairement des vieux bambous. Et c'est ce que Sa Majesté a puisé dans cette sagesse pour mettre sur pied l'organisation de cette 311e édition du Festival culturel de Campemoun. Le roi a commencé dans un premier temps par mettre sur pied une équipe de plus de 65 dignes fils Bamungum, tous cotés au sein d'une structure qu'il a baptisée le comité directeur. Ce comité directeur fait pratiquement office d'un conseil d'administration qui essaie de donner les grandes orientations à suivre par le festival. Après la mise sur pied de ce comité directeur, Sa Majesté a procédé à la désignation de trois membres d'honneur. Trois membres d'honneur qui sont encore des figures illustres au sein du royaume Bamungum. Le premier membre d'honneur, c'est bien entendu le sénateur Sylvestre Ngouchingé. Le deuxième membre d'honneur, c'est le ministre secrétaire général auprès des services du Premier ministre, le professeur Pascal Guillet-Kanté. Et le troisième membre d'honneur, c'est l'ingénieur de génie civil François Takungan, qui est le PDG de la société GEMAC. Je crois que chaque membre d'honneur est désigné à la fonction occupé fort des prouesses ou alors de tout ce qu'ils ont pu apporter à leur terre natale, le royaume Bamungum. Et maintenant, juste en dessous de ce comité directeur et de ses membres d'honneur, il y a un comité national d'organisation. Et la particularité de ce comité national d'organisation, c'est qu'il a à sa tête un jeune, quelqu'un de la jeune génération. Le président du comité national d'honneur, que je me fais l'honneur de citer, Francis Fotsombou, est celui-là qui est appelé à porter la vision que le roi assigne. C'est lui qui est appelé à donner la direction prescrite par le comité directeur. C'est lui qui est appelé à conduire sur le terrain les grandes orientations que les membres du comité d'honneur, que les membres d'honneur prescrivent à l'organisation du festival. Et sous ce comité national d'organisation, il y a pratiquement 15 commissions. Donc la commission que j'ai l'honneur de présider, celle qui a en charge
du marketing, de la communication et de la sensibilisation. Bien entendu, il y a une autre commission, une commission en charge des finances, qui est présidée cette fois-là par le président du comité national d'organisation lui-même. Et il y a une commission PAGNE, qui est présidée par le deuxième vice-président du comité national d'organisation, Befotin Alumpo, et également une commission en charge des awards qui est présidée par le professeur Joël Sotamenou. Il y a une commission en charge de la désignation des Miss qui est présidée par Madame Doris Naoussi. Il y a une commission restauration présidée par le proviseur Hélène Kanke. Une commission protocole présidée par M. Signe Jean. Une commission sport présidée par Aimé So. Bref, au total, une commission santé également qui est présidée par le responsable de l'association du personnel médical de Bamungoum. Bref, au total, il y a une commission en charge du Fornecamp, c'est-à-dire que cette commission-là même qui doit encadrer sur le terrain les activités des jeunes initiés, et une commission dite du Manecan qui est chargée d'organiser le déroulement même de la parade des initiés matures qui sont membres des différentes castes. Et il faut dire que chaque commission désignée est placée sous la tutelle du comité national d'organisation, rend compte de ses activités au comité national d'organisation, reçoit ses directives et essaye d'implémenter sur le terrain. Bamungoum est considéré à juste titre comme étant l'un des principaux centres de la production des calebasses dans les Grassfields. Cet objet, qui a avant tout une portée culturelle et culturelle, peut symboliser selon le contexte l'hospitalité, la paix et l'amour. Dans sa case patrimoniale baptisée les calebasses des chefferies, on retrouve près d'une centaine de calebasses utilisées à différents usages culinaires, artistiques ou initiatiques, les plus prestigieuses se démarquant par leur décoration faite de perles, de coris ou de tissus traditionnels localement appelés ndop, désormais l'une des identités du Cameroun hors de nos frontières. Le royaume Bamungoum, c'est aussi plus d'une centaine de lieux sacrés et une architecture alliant parfaitement tradition et modernisme. Autant de choses à découvrir. Nous vous y invitons. Bon, Mamungo Rang, ma femme Mungoum, mais les Chinois sont pour l'IA. Ben Gang, Mahapala, Pempa, Bepon Mungoum, Bepon Mungoum, et de Faba ou le Chonkia, de Faba de Yab, Comité National d'Organisation, ne quand s'il tout le monde a ramené Yungunza Kacha, et ne s'en tamtia. Oups, Mbamche, oups, Sangatambe pour Hong Kote, ne quand. Je suis un peu plus de temps. Je vais jouer à la maison. Il y a un hôtel.
Et pourtant, je suis assis.